linaudible.com. Précédemment, dans Comment devenir maître du monde. Oh oui, c'est un gentil chanchon, ça ne donne la papate. Et qu'est-ce qu'elle dit qu'à sa Josette, le gentil chanchon, hein? Qu'est-ce qu'on dit qu'à sa gentille Josette? La gentille fille de Josette, hein? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Bon, ça suffit, casse-toi! Casse-toi, sale bête, ou je te lance un caillou! Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Je ne vais pas être vache, je vais vous en vendre un de pied. Et sans supplément. Mais un billet, pourquoi? Et bah pour le jeu! Vous venez bien pour le jeu! Le jeu? Mais quel jeu? Eh bien, qui veut manger des rognons? Vous venez bien pour le jeu qui veut manger des rognons? Qui veut... Ah, mais oui! Mais oui, mais tout à fait, mais bien sûr! Première profiterole. C'est bon, c'est super bon. Deuxième profiterole. Troisième profiterole. Je vous rappelle, chère Anissette, qu'à tout moment, vous pouvez interrompre le jeu. Il vous suffit de répondre à nos trois questions. Quatrième profiterole. Pour qui travaillez-vous? Cinquième profiterole. Qu'est-ce que vous faites ici? Sixième profiterole. Et qui a dit? Si Anissette est sur le coup, je marche. Je vous le ramènerai, ce colonel, qu'il soit mon père ou pas. Et la belle Anisette aussi, par la même occasion, tiens. Je vous le promets, croix de fer, croix de bois, si je perds, c'est toi qui bois. Qu'est-ce que c'est con, ce film. Non mais, c'est vraiment con, sans blague. Une fille qui se fait torturer avec des profiteroles. Mais où ils vont chercher des trucs pareils, hein? Non mais n'importe quoi. Et ces effets spéciaux, ridicules. Non, je préfère arrêter, c'est trop nul. Oh, mais quelle heure il est? 2h du matin. Si je pouvais dormir au moins, comme tous ces cons. Mais va-t'en dormir en avion. Et puis avec la vieille du fond qui voulait ouvrir le hublot pour vomir dehors, ça m'a coupé le sommeil, moi. Enfin, heureusement que je l'ai rattrapé par la cheville, ça lui fallait que peu. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce type bizarre qui marche dans l'allée centrale? Drôle d'allure avec son chapeau, son imperméable, un étui à violon à la main et dans l'autre une part de tarte aux cerises. Pourquoi aux cerises? C'est louche tout ça. Oui, monsieur, je suis à vous dans une seconde. Je termine de préparer un double martini vodka pour le commandant de bord. Conduisez-moi aux toilettes. Et plus vite que ça. Oh mon Dieu! C'est un détournement? Quoi? Vous êtes mineur? Mais non! Alors arrêtez de discuter. Les toilettes, j'ai dit. Dépêchez-vous. Oui, tout de suite, c'est par là. Voilà, c'est ici. Tenez. Mangez ça. Une tarte aux cerises, mais pourquoi aux cerises? Ne discutez pas, dépêchez-vous. Bien. Mais qu'est-ce qui... Les cerises. Arrive. Chloroformées. Oh. Oh. Bien. Et maintenant, mon pistolet mitrailleur à canon biseauté. Allons-y! Personne ne bouge! Ceci est un détournement! Nous mettons le cap sur un minuscule îlot perdu dans l'immensité du Pacifique! L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof. Avec Kenton, Karine, Mr. Jones, Jean-Seb, Yves, Pompidou, Dr. Zaius, Mademoiselle Bobby, Abby Le Fanu et Walter Proof. Livre 2, La Machine.
Leçon 7, la manière forte, tu emploieras. Bon, on est rendu. Voyez, boys, jetez-moi ça dans la cellule. Ah! Aïe, oh! Allez-y doucement un peu. Vous êtes tellement pas en position d'exiger quoi que ce soit, mademoiselle Mantalo. Ah non? Et je suis en position de quoi, alors? Eh bien, je saurais pas trop vous dire, là. Je connais pas le Kama Sutra par cœur. En tout cas, vous allez rester dans cette cellule jusqu'à ce que le colonel arrive. C'est-tu clair? Le colonel? Eh oui, le grand homme a manifesté l'intention de recueillir vos aveux en personne. Ah oui, c'est trop d'honneur. Parfaitement. Alors, réfléchissez bien à ce que vous allez dire. À partir de maintenant, mademoiselle Mantalo, on ne joue plus. Eh ben, me voilà dans de beaux draps, moi. Ah, en effet, des bien jolis draps, 100% satin de coton, au moins. Ma foi, cette cellule m'a plutôt l'air confortable. Écran plasma, mini-bar, jacuzzi. Dommage que j'ai pas l'intention de m'y attarder. Si seulement j'arrivais à détacher mes liens... Non, rien à faire. Ce qu'il me faudrait, c'est une aide extérieure. Mais qui ? Hermin ! Le Saint-Germain ! Mais quelle chance ! Oh, monsieur, qu'il est gentil, le Saint-Singe ! Est-ce qu'il arrive à passer entre les barreaux, le gentil Hermin ? Viens, Hermin ! Me viens vite voir Tata Zazette. Oh, monsieur qui va venir aider son ami Zazette. Allez, mon Saint-Singe, viens aider Zazette. Viens aider Zazette. Viens aider Zazette plus vite que ça. Non, pas si. Viens, passe entre les barreaux. Non, non, pas coucher, non. Pas coucher, le Saint-Germain. Viens ici. Viens chez Zazette. Oh, mais tu vas venir ici, oui ou merde? Mais qu'est-ce que ça peut être con comme bête, alors? J'aime bien ça. Viens ici, viens. Tu vois ces liens? Ben, tu vas les ronger? Mais oui, comme dans les films. Mais quoi? Mais t'as pas vu Rintintin? Hein? Quoi? Fais voir. Mais t'as pas de dents? Info. Le singe qui aboie, étant essentiellement insectivore, ne possède pas la moindre dent. Ni dedans, ni dehors. J'aurais pu le dire plus tôt, je sais, mais personne ne me l'a demandé. Mon Dieu, je peux pas laisser ce type détourner les toilettes de l'avion. Faut que j'intervienne, mais je ne suis pas armé. Tant pis, je me jette sur lui. Et merde, me voilà les pieds coincés dans la cuvette. Et l'autre qui se jette sur moi, il va me descendre, c'est sûr. Vite, une parade, vite. Je suis sûr que Maître Tanfer Takapa m'a appris quelque chose d'utile pour agir dans une telle situation pendant mes années d'études au monastère Yabaku, en Meurthe-et-Moselle. Petit scarabée, je suis aveugle depuis mon plus jeune âge. Une moustache trempe dans ma soupe. Mais le jour où tu arriveras à attraper le soleil qui est sur la paume de ma main avant que je la referme, ce jour-là, je te paye l'apéro. Encore raté, petit criquet. C'est toi qui payes l'apéro. Apprends à sentir de l'intérieur. De l'intérieur, grand maître? De dedans. Petit con.
Non, non, je sens rien. Maître Takapa, puis-je me permettre de vous poser une question? Celle-là ou une autre? Une autre, si vous me le permettez. Je t'écoute, petit scolopendre. Grand maître, quand on est aux prises avec les dangers du monde extérieur, a-t-on le droit d'utiliser la violence? Petit croque-mitaine, si on te le demande un jour, tu diras que tu n'en sais rien. Maître Tenfer, vous m'avez déjà beaucoup appris. Les arts de combat, la méditation, le poker menteur. Mais si un jour je me retrouve véritablement aux prises avec les réalités cruelles du monde des hommes, si par exemple, je me retrouve les pieds coincés dans la cuvette DVC d'un Boeing 747 et qu'un pirate de l'air me fonce dessus armé d'une mitraillette, alors dans ce cas précis, ai-je le droit d'utiliser la violence? Petit bambino, dans des cas comme celui-ci, et bien que ce soit ta quatrième question, il n'est qu'une seule parade, même si elle peut paraître inhumaine. C'est le cri qui tue. Le cri qui tue. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Oh, très grand maître, t'as qu'à pas t'en faire. Ça, mon petit gars, je te l'expliquerai quand j'aurai fini mes frites. Parce que des trucs comme ça, ça se raconte pas la bouche pleine. Point info. Le cri qui tue était l'arme absolue des anciens guerriers mandchous. La technique, secrète, n'était révélée qu'aux très hauts dignitaires de l'ordre, ceux qui avaient acquis assez de sagesse au cours de leur apprentissage, ou ceux qui payaient cash. Le cri qui tue ne doit être employé qu'en toute dernière extrémité et pour des causes réellement majeures, comme lorsque l'avenir de l'humanité est en jeu, ou qu'on se retrouve les pieds coincés dans la cuvette dévissée d'un Boeing 747, alors qu'un pirate de l'air vous fonce dessus avec une mitraillette, ou avec une fourchette, à la rigueur. La technique du cri qui tue est très complexe, et sa nature exacte s'est perdue bêtement au cours des siècles. Seuls quelques initiés le pratiquent encore, comme Patrick Bruel ou Mireille Mathieu. Les effets sur l'adversaire sont immédiats et dévastateurs. Vomissements, névralgie faciale, diarrhée, suivi d'un sentiment d'angoisse intolérable, provoquant le plus souvent des réactions excessives, comme se jeter par la fenêtre ou s'abonner à vie à point de vue image du monde. L'auditeur curieux d'en savoir plus se reportera utilement au traité des arts martiaux et techniques de combat chez les moines zen et les pompiers de Paris, par Émile Zatopek, aux éditions Pousse-moi que je tombe. Point info. J'étais sûr que ça me servirait un jour. Hein. Suffisait d'être patient. Heureusement que l'autre se jette sur moi au ralenti. Alors allons-y pour le cri qui tue. Et alors? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comment vous dire? Comment vous décrire l'exceptionnelle intensité de cet instant? Comment vous faire ressentir le magnétisme phénoménal de ce moment unique? Non, les mots sont trop faibles, trop imprécis et trop vains pour dépeindre le choc inouï des forces occultes libérées par ce simple cri. Non, c'est pas grave, laisse tomber, on s'en fout finalement. Non, mais je peux vous le dire quand même, je peux vous le dire. Le mec avec le fusil s'arrête net, hein. Ses lunettes noires explosent comme un pare-brise lancé à 200 à l'heure contre un platane. Son imperméable et son chapeau tombent en poussière. Son pistolet mitrailleur fond sur place et se répand arqué en une flaque immonde. Mais lui, le mec, il reste debout. Le cri qui tue? C'est impossible. Je ne connais qu'un seul homme capable de l'utiliser avec une telle puissance. Et moi, je ne connais qu'un homme capable d'y résister avec un tel aplomb. Non, ce n'est pas possible. Cette voix! Cette moustache! Je rêve. John! Nepomuzen Kuznetsov. C'est toi. Fripouille. Mais ça alors? Ça ne vous rajeunit pas, dis donc. Mais qu'est-ce que tu deviens alors? Oh là là, ce serait un peu long à te raconter. On voit ça dans le prochain épisode. Prochainement, dans Comment devenir maître du monde. Tu te souviens quand je t'avais filé les plans du derviche tourneur nucléaire que j'avais trouvé en Corée du Nord? Ah oui. On s'était marrés. Et moi, en échange, je t'avais donné le numéro de la grosse rouge du bar à Eugène. Je m'en souviens. Voyons un peu comment se présente cette porte.
La ferrure m'a l'air abordable. Ça doit pouvoir se faire. Hermin, passe-moi une épingle à cheveux. On va y aller. Silence. Tu me dis quand ça tourne, Coco. Ça tourne, Coco. Bonsoir. Et d'abord... merci, Coco. Ah non, merde. Coupé. Je m'ai gouré. C'est pas bon, là. Bon, ok, Coco, on arrête. On peut la refaire. Elle est pas bonne, là. On je la me refait. Suis planté, là. Ok. Tout le monde y est. On peut y aller. Voyez-vous, cher ami, j'ai actuellement en cours plusieurs affaires tout à fait délicates. Et si je vous en dévoilais certains aspects, même les plus anodins, je pourrais m'exposer à les voir échouer par la suite à cause de cette indiscrétion. Je suis sûr que vous comprenez ma position. C'était « Comment devenir maître du monde en 10 leçons ?» ou pas. Une série webophonique de Walter Proof, très librement adaptée de Cri de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Proof sur une musique de Phaéton Bourg. Avec John John, Kenton, Loudès, Karine, Nepomucène Kuznetsov, Mister John, Autophone Tamponneuse, Jean-Seb, Anisette Mantalo, Eve, Hermin, Pompidou, Capote en fer, Docteur Zeus, Chacha, Mademoiselle Bobby, Bibi, Abby le Fanou, Vieux Crabe, Walter Proof. À suivre.